Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de ma saison 5 sur le jeu Mount & Blade Warband. Et donc la dernière fois on avait éliminé le quart de canard, ça avait été un peu chiant, j'avais un petit peu galéré parce qu'il restait encore plein d'individus. Là il reste plus rien dans leur royaume, du coup je pense qu'ils sont morts. On va du coup essayer de récupérer ce que le royaume des Nords nous a piqué, parce que pendant qu'on s'occupait du quart de canard, le royaume du Nord il s'amusait avec nous. Et ben j'ai envie de dire, on va aller leur rendre la monnaie de leur pièce, c'est parti. Donc, ils venaient de récupérer le château d'Asugan. Bon, on va faire pareil, on va essayer de récupérer le château de Ristar derrière. Forcément, c'est des châteaux où j'avais rien laissé derrière, du coup, ils ont pris un petit peu cher. Donc, tout simplement, on va commencer par ça. Assiéger le château. Nous vous échangerons contre une rançon et vos salariés vivront. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ça a été vite fait. Au moins on s'est pas tapé le. Ouh, il y en a là. J'ai bien envie de m'en occuper de cela. Mais je pense que je suis trop lent. Ils vont aller au château. Je vais m'en occuper directos derrière. Rendez-vous! Ok, bon, voilà. Hop, des échelles, on va s'en occuper. Comme ça, d'une pierre deux coups, il n'y aura plus personne. Ah oui, c'est vachement loin. Bon, allons-y, hein. Ils doivent pas être super nombreux, donc ça devrait aller. Il doit être une cinquantaine, voire une soixantaine, pas plus. J'ai même pas regardé. Je regarde même plus tellement que je suis confiant dans mes unités. Même si j'ai eu un petit problème de morale dans l'épisode précédent, du coup j'ai un ou deux seuls sergents Rodok qui sont barrés, alors que mes sergents Rodok c'est quand même une grosse foire de frappe. J'ai tendance à me faire un peu viser là. Heureusement que j'ai ce bouclier. Je vais y aller. En faisant des zigzags. Ça marche plutôt bien. À peu près. J'ai trop peur que mon bouclier il se brise là, parce que. C'est quand même assez dur. Hein. Ok. Allons-y. On va s'occuper de ceux qui tirent ici. Ok. Est-ce que ceux-là je peux aller chercher? Non, ils sont un peu chiants, ils sont pas au bon endroit. On va faire le tour. Voilà. Ok, ceux-là c'est bon. Il y a beaucoup d'archers ici. Alors là, par contre, on va se recevoir l'armée, les renforts qui vont arriver. D'accord, on va y aller quand même. Ça, c'est l'équipé d'un des gars qui habitait dans le château, qui est arrivé au château. On voit les boucliers, ils ont des symboles. Toujours pas très intelligent, ceux-là. Ok. Il reste encore pas mal, hein. On va s'occuper de ces archers. Ah. Bon, ils ont l'air de s'en occuper. Moi, j'allais faire le tour pour aller chercher les archers qui traînent là-haut. Ah non, c'est pas le tour qu'il faut que je fasse. YOLO! Bon, 4 points de dégâts, ça va. Je vais aller chercher, ils sont là-bas. Faut passer par là-bas si je me souviens bien. Hop! Oh, le saut! Le saut magnifique!
doit être par là. Il y a un cadavre. Oh, il y en a bien là. Maintenant, faut que je fasse ce tour pour aller chercher ceux qui sont là-haut. Bon, ça sera la deuxième fois que je récupère ce château, voire même la troisième fois, donc... J'ai pas envie d'avoir à le reprendre. Démerdez-vous, mais je vais pas avoir à le reprendre. Très bon, mon épée qui est rouge. Ça. Voilà. Hop, c'est mon prisonnier. Ça me va bien. Alors, peut-être des promotions dans cette histoire, parce que... Voilà, hop, sergent Rodoc. Marnide, est-ce que tu sais... Attendez. Marnide, marchandage, chirurgie et tactique. Bon, bah si on peut t'augmenter. T'es en intel. Marchandage, chirurgie et tactique. Ok, je peux pas te monter plus. Qu'est-ce que je peux te mettre? Parce que du coup, il n'y a que des compétences de groupe et les compétences personnelles, j'ai déjà augmenté. Après, il y a des compétences de commandement, mais c'est pour moi, ça. Bon, bah, je vais augmenter ça, hein, tant pis. Et les alites, tu sers à rien, donc on va augmenter tes capacités de combat. Voilà, au pif. Alors, mon moral est au-dessus de la moyenne. Je vais aller acheter un petit peu de bouffe. Il n'y a rien à bouffer ici. Je crois que j'ai dû acheter déjà au passage. Oh non, mais en fait, je suis large. Je suis carrément large. On va virer ça. Je suis carrément large. On va remonter maintenant. On s'est occupé de ça. La question c'est, est-ce que je m'attaque directement ici ou est-ce que je vais aller rechercher Yelen, Sumo Praven, tout ça. Peut-être que je vais m'attaquer ici, je suis dans le coin, je vais aller récupérer le château de Nelag. Rapidement. Ils sont 15. Voilà. Ça c'est fait. Je vérifie qu'il n'y ait pas un bout de violet qui ressorte parce qu'au final, en termes de faction, le Kargil Khanat n'est pas encore mort. Hein. Il est dirigé par Khan Sajar, mais ses vassaux ils sont personne. Bon, ben, je sais pas. On va aller là, on va récupérer le château, ensuite on va récupérer la grande ville. +156 +38. Ah, c'est une tour de siège. Bon bah allons-y hein. On peut toujours essayer. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on récupère Kurdan. Enfin Kudan, pardon. On récupérera Kudan. Et une fois qu'on aura récupéré Kudan, on récupérera les deux châteaux qui traînent. Et hop, on aura récupéré toute cette zone là. Et on sera plutôt pas mal. Je vérifie qu'ils nous reprennent rien. Ensuite, on s'attaquera à toute cette partie-là. Une fois qu'on aura récupéré le bras, ça sera quand même beaucoup plus facile à défendre. Et après, on pourra remonter gentiment vers le nord. Il leur restera plus que ce qu'ils nous ont récupéré. Bon. Rendez-vous. Bon, bah voilà. Merde, non! Le con! Putain, j'ai perdu mon sergent Rodoc. Oh l'abruti de l'enfer, de mort, de tout ce que vous voulez, putain. 11 sergent Rodoc de perdu. Super. Ah la merde. Tout ça parce que j'ai fait envoyer mes unités. Putain, je suis un abruti. Bon, bah voilà, je vais devoir attendre en plus. Oh le con. Bon allez, c'est reparti pour l'attaque. Oh la vache, je me donnerais des baffes si j'étais pas en train d'enregistrer une vidéo. Franchement, c'était con de ma part, mais con. J'aurais dû attendre au lieu d'être aussi précipité. Parce que non seulement j'ai perdu 10 unités pour rien,
Et en plus, il va falloir les refaire, parce que je vais pas pouvoir attaquer le reste comme ça, hein, du coup. C'est-à-dire qu'il va falloir que je repasse par mes grandes villes, récupérer des unités, en acheter des mercenaires et tout, parce que c'est assez puissant les mercenaires. Ah, ça fait chier! Cousez-moi. Ah, je t'ai raté. Je suis pas au bon endroit en fait. Tout ce que je fais, c'est me prendre des tirailleurs là qui envoient des flèches, enfin, qui envoient des grosses machins pendant que mes copains ils les occupent de l'autre côté. En plus, j'arrive pas de tomber. Ah, et puis ça repop. Ils ont que des boucliers en plus. Oula. Je suis en train de faire le con. Je suis en train de perdre la blinde d'unité. Ah putain, mais ils ont encore repop. Ouais, je vais me cacher. Ok. J'ai vraiment plus beaucoup de vie. Et lui qui me tire des flèches là. Si j'arrive pas, c'est à les one shot. Putain, encore. Est-ce qu'il veut les pêches? J'ai dû vraiment faire le con hein, parce que 80. Ah si. Faut vraiment que j'esquive. Il me reste plus beaucoup de vie. T'es sur monté super haut là. Ok. On va arriver au bout là, j'ai l'impression. Putain. Le monceau de cadavres. Si... Oula. Je me suis pris quoi comme flèche? Et qui me visait? Allez, il en reste. Un. Il est où? Ah, il est là. Attendez, je vais le chercher. Eh bah putain. Oh l'enfer, je me suis mis planté joliment. 9 tués, 14 blessés. Voilà, 110. J'étais à 130. J'ai dû perdre. Sachant que j'ai perdu 9, donc 119. J'étais, ouais, c'est ça, j'en ai perdu une trentaine d'un coup. Bravo. Bravo. Putain, le pire des abrutis, quoi. Ouais, des sacrés chevaux, hein. Ça requiert plus d'équitation que ce que j'ai. Enfin de... Bon, là, pas trop le choix. Je vais devoir rentrer genre à Nara ou à Almar pour récupérer des unités parce que je suis exsangue. Putain, ils ont récupéré le château de Nelag. Fuck. Déjà ici. Donc on va prendre un peu de nourriture. La taverne, escarrez pas des mercenaires. La cavalerie mercenaire, voilà, hop. Lui, il veut se battre. Je vais me battre. Ok. Il y a des héros, je m'en fous.
On va aller à Alma rapidement. Gérésbourg. Non, pas Gérésbourg, c'est Garnison. On va récupérer des sergents Rodoc, parce qu'on a perdu masse. Ah, oh, mais il en restait pas mal. Tireur d'élite Rodoc, cavalerie, on en a encore pas mal. Hein. On a encore pas mal d'unités, c'est pas un problème. Je prends des arbalétriers vétérans, des lanciers Rodoc. Un peu d'infanterie Swadienne, parce qu'on a perdu quelques Swadiens. Quelques arbalétriers mercenaires. Un petit peu au pif, là, pour le coup, je dois dire. Quelques unités de merde pour la base. Ok. Je pense que là, c'est pas mal. On va pouvoir remonter. On va pouvoir remonter du côté bah, du château de Dramug. On est sur la route. On y va. Château de Dramug. On va essayer de le récupérer rapidement. Merde, putain, j'ai encore fait ça trop vite. J'ai encore fait ça trop vite, ils veulent pas se rendre. Putain, ils ont récupéré ça. Ok, voilà, c'est bon. Ils font chier. Bon, du coup, on va faire le château d'Iruma. J'ai pas envie de laisser des unités, c'est pour ça que ça m'énerve. Pas ça que je voulais faire. Château d'Iruma, 190. Ah oui, quand même. Ouais, c'est des échelles, on devrait pouvoir y arriver. Toute façon, il doit y avoir. Alors, attendez, il faut bien que je clique. Menez vos soldats à l'attaque. Oh, on est super loin. Il doit y avoir personne sur les châteaux qui ont été récupérés par les. Par le Royaume des Nords, donc ça devrait aller. Le tout, c'est de piquer la grande ville. Si on arrive à piquer la grande ville, on sera beaucoup plus tranquille à ce niveau-là. Parce qu'ils ont beaucoup moins de possibilités de mobilité, et on pourra les chasser de la zone. Et puis il faudrait que mes autres amis du royaume des Rodok ils se bougent un peu le cul. Parce que qu'est-ce qui branle rien? Allez, on en a 190 à péter. Putain, on se fait pilonner. Aïe. Il va falloir avancer là-haut. Allez. Je suis pas de mon côté. Il va falloir qu'ils avancent, mes copains. Genre plus vite. Ils vont me pousser, je suis sûr qu'ils vont me pousser. J'ai bientôt plus de bouclier. Il est complètement pété. Ok, c'est bon. Ok. Je me fais tirer dessus. Ah, ils sont en face. Ils sont en face, ces petits sagouins. Ouais, je vais aller les chercher. Oula, de nouveaux ennemis sont arrivés. Ouais, d'accord, ça pop là-bas. Il va falloir que je me méfie. Oh! Ça va me popper sur la figure, je le sens très mal. Je peux pas taper à cause de la taille, voilà.
du bâtiment, ça m'empêchait de taper. Il y a trop d'archers, ils sont tous en face. Fait chier. Ok, laissez-moi passer. Ok. J'ai plus beaucoup de vie par contre. Oh là là, c'était sûr. Ok, ça va, ils sont tellement teubés. Ah. Et on y retourne. Là par contre je suis pile sur leur point de rip-up. Attention, je descends. Ah. Il y a juste de la neige ici. Je suis peinard en fait. Yeah. Faudrait pas des renforts de mon côté. Ouais, nous, va falloir peut-être qu'on ait des renforts. Allez, je remonte. Je me fais tirer dessus. Oh la vache, toutes ces flèches. Ah, c'est pas très intelligent par contre. Pour le temps qu'il se débloque, hein, je tire des flèches. Bon voilà, je suis en train de lui faire mal. Aïe. Alors on va falloir faire un truc les gens à un moment, au lieu de faire des retards là comme ça. Ah mais je dois pouvoir faire le tour. Non ? On va essayer. Ils m'en veulent, hein. Toutes les flèches. Ah non, je peux pas faire le tour du tout en fait. Ça va être super long hein, s'ils arrivent pas à passer la porte là. Il en reste encore une centaine. Bon, voilà, on va voir ce que ça va donner. Hein. Bon, j'ai réussi. Ça a été un peu long, mais j'ai fini par y arriver. Toc, on améliore un peu nos unités. Bon, ça m'a l'air pas mal. Toc, on ne demande pas de récompense. On va repasser, je sais pas en fait. Là pour le coup, je sais pas trop. Soit on s'attaque à Kudan. On va aller voir un petit peu combien il y a dedans, de personnes dedans. 338 plus 37, ouais. C'est un petit peu long. On peut toujours essayer, hein. On peut toujours essayer. Si c'est des. Ah, c'est des dégels. Allez. Si tu veux, je te file de le Yarl Bidule. Allez, on va essayer. On va voir ce que ça va donner. Il faut qu'on arrive à récupérer ce bourg. Ensuite, on pourra récupérer facilement les autres tours. Même si on risque de devoir laisser des unités dans ce bourg-là, au moins histoire de faire tenir le truc et éviter qu'il y ait juste zéro personne. Voilà. Pas l'air très très fort. Je vais tuer les archers évidemment. C'est bons archers de merde. Allez, je vais faire le tour. Aïe. Wow. Le sale 10 points de dégâts là. Oh, niveau 35. Ok, ça c'est bon.
On a atteint le niveau 35. Eh ben dis donc. Ça en fait du level. Aïe. Il m'énerve. Voilà. Laissez-moi vous tuer. Bon, la suite arrive. Alors généralement faut pas tuer les 300 unités hein. Si je me souviens bien faut en tuer 150 à peu près. Ce qui est déjà pas mal. On les explose un peu là. On en a fait 80. Ils sont un peu bas là. J'ai le high ground. On s'en fout. Oula. En vrai faudrait... J'allais dire faudrait que je descende. Mais il faudrait pas que je descende comme ça en fait. On a tué tous ces archers là. Oula. Ça c'était mauvais bail. Ok. Putain, je pensais pas que ça allait repop. Mais alors, sale. Je suis dans la back lane, j'ai mis tout. Je crois qu'on arrive au bout là. Ça repop plus. Ouais, c'est ça, 150. C'est marrant d'ailleurs qu'il y en ait 338 et voire même plus, et qu'on en tue que la moitié. Putain, il est là-bas, il y a personne qui peut y aller. Ah, si, quand même. Vous êtes quand même tous très nuls. Hein. Non, il s'est mis. Tu vas se faire défoncer dans le coin. Ok, maintenant, c'est l'intérieur du bourg qu'il va falloir s'occuper. 4 tués, 17 blessés, ça va. Aïe. Ah. Ok. Restez deux archers. Qui ont la malchance de pas savoir viser. Et le château. Ça me dit pas qu'il est tout seul. Ah non, quand même. Je vais chercher cet archer. Et ben voilà, le bourg est à nous. La grande ville est à nous. On va récupérer des unités à la con pour les mettre dans le... dans la grande ville. Ouais, voilà, ce genre de truc. Ça suffira amplement. Hop. Poster une garnison ici. Hop. Garde de caravane, maître de caravane. Quelques fantassins soidiens, l'ami soidienne. Je pense qu'on est plutôt
Pas mal avec ça. Ça fait pas grand-chose, mais au moins, ils ont quelque chose. Cléty. Tiens, il y a Cléty ici. Getter. Rançonneur. Penduc. À la limite, eux, je vais les... Ah, je peux plus gérer le bourg. Bizarre, ça. Bon, pas grave. Voilà, Kundan est à nous. On va rapidement faire un petit saut à ici. Je pense qu'on a le temps avant la fin d'épisode. On a récupéré pas mal de châteaux. Bon, attendez, hop. Sur 25. Voilà, ça c'est fait. Et l'autre, on va faire ça rapidement. Voilà. Ça c'est fait, on aura tout récupéré. Ils viennent de récupérer le château de Dramug et le château d'Iruma. Putain de merde, je... ça m'énerve. Je devrais laisser des unités, mais j'ai pas envie. On va remonter du côté du château de Kundan et on va s'arrêter là, je pense. Ah la vache, c'est pas facile hein, cette guerre. Je suis à plus d'un million, ça devient débile. Hein. En termes d'argent, ça devient franchement débile. Bon, dans le prochain épisode, je pense qu'on va essayer de récupérer les châteaux qu'on vient de nous faire, de se faire piquer, récupérer la grande ville qui est Kurav, et puis on va continuer d'avancer. Parce que pour l'instant, ça se passe bien, et on va essayer de continuer sur cette lancée. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!